Bienvenue au studio Rock Moderne pour un superbe unboxing à moins 40%. Je viens de recevoir, vous avez sans doute reconnu le logo de chez Waxwork aux États-Unis. Je viens de recevoir ce colis qui est assez impressionnant, voilà, par le poids. Eh bien, on va l'ouvrir sans plus attendre. En effet, donc j'ai profité de cette promotion pendant une semaine, une fois par an, une ou deux fois par an. Waxwork, ce label américain, propose des réductions à moins 40% sur une sélection de disques, je pense, qu'ils ont du mal à écouler. Voilà. Hop. Voilà comment ça se présente. Et avec un petit, toujours un petit bonbon Halloween à l'intérieur. C'est assez sympa. Voilà comment ça se présente à l'intérieur, voyez. Et là, ils vous ont mis... un petit bonbon Halloween ici. Vous voyez, c'est super bien emballé pour que les coins ne soient pas abîmés. Alors après, bon, bah, s'il y a des chocs, peut-être qu'à l'intérieur, ça peut s'abîmer, je ne sais pas. Alors, donc, là, on va enlever. Bon, voici comment ça, la bête se présente. Alors, vous avez sans doute reconnu qu'il s'agit d'un coffret. Quel coffret? Que je n'aurais pas pris, évidemment, étant trop cher. S'il n'avait pas été réduit de 40%. Voilà. Alors, il faut penser aussi que Waxwork vous réduit les frais de port à l'occasion, donc c'était super sympa. Alors, donc, première couche de bulles, deuxième, voilà. Ça nous vient tout droit des États-Unis, voilà. Voilà. Super sympa. C'est la deuxième fois, deuxième commande où ils envoient ça, et pour Halloween, ils le font. Donc, encore d'autres cartons. Ah, voici. Merci à Bones qui s'est occupé de l'expédition et de ma commande à la pub pour Carnival of Souls. Voilà. Mais ça, je ne l'ai pas acheté, ce disque. Voilà. Donc, je ne le connais pas. Alors, voici la bête, voici la box. C'est la box de Iron Flux. Alors, avant de vous dire un mot, je vous décris un petit peu le paquet. Voilà. Alors, vous doutez, donc, vu le design, qu'il s'agit d'une bande originale d'une série animée qui est sortie sur MTV. Donc, une série animée à la fois coréenne et américaine, hein, bon, pour la production, toujours pareil, hein, surtout à l'époque. Donc, entre 91 et 95, je disais, sur MTV, et dont a été tirée cette série animée, donc, qui est réalisée et animée aussi par Peter Chung. Alors, Peter Chung... avait fait une série télévisée, donc les Transformers en 1984, et surtout le Teenage Mutant Ninja Turtles de 87, et aussi donc, je regarde, les Chroniques de Riddick, ah oui, de 2004, Dark Fury, dont il a été le réalisateur, il a fait le scénario et la conception, parce qu'il fait pas mal de... Donc, sa spécialité première, ce sont les animations. Voilà. Et on a le soundtrack de Drew Newman, qui est un Américain, et qui a participé à des bandes originales de dessins animés, de Disney, mais pas que. Pas mal de bandes originales. Voilà. Alors, ce que je pouvais vous dire, c'est qu'il a été tiré en 2005, ce film que j'avais acheté en DVD à l'époque. Très, très, très bon film, avec Charlize Theron dans le rôle de Iron Flux. Iron Flux, vous voyez, c'est un clone. Ça pourrait être assimilé à un super-héros, bien que s'agissant d'un tueur, finalement, d'une tueuse, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et donc, mais ça ne fait pas partie des séries Marvel, hein, ça, donc c'est un petit peu en dehors. Et il avait été produit aussi par MTV, puisque la série animée était sortie en 21 épisodes, donc au début des années
90. Il y a un petit peu les images du film. Alors là, il ne s'agit pas de la BO sur cette box, la BO de ce film, hein, ça n'a rien à voir, qui était de... je regarde Starring, donc Charlize Theron, l'actrice, et musique par Graham Revell, oui, bien connu. Donc il ne s'agit pas de la BO extraite de ce film, j'aimerais bien la voir en vinyle d'ailleurs, cette BO, excellent film. Je vous remontre vraiment. Donc ça, c'est le DVD original qu'on peut encore trouver pour 9 euros sur Amazon. Il en reste encore un. Voilà, donc en français. Alors, on va l'ouvrir sans plus attendre. Donc là, il s'agit bien de la série animée avec, vous voyez, l'artwork un petit peu. Vous la connaissez sans doute, cette série. Pour ceux qui aiment. Alors, je regarde. Ah oui, il y a un carton à l'intérieur. Ouais, c'est pas mal fait, vous voyez. Regardez, à l'intérieur, vous avez ce genre de carton qui bloque les disques. C'est assez sympa, ce qui fait que ça évite les éclatements. Voilà, donc 6 disques, 6, 7 même. Je pense que non, 6 disques, ouais, disques, voilà, 6 disques et un livret. Allez, on y va. Alors là, il n'y a pas de souci puisqu'il s'agit du carton. Et là, je vais essayer de garder le blister. Ça va pas être évident. C'est de garder. Après tout, ça protège un petit peu ces box de la poussière, parce que je sais pas si c'est le cas chez vous, mais ça prend un petit peu ces calettes, ça prend de la poussière, il faut la faire assez souvent. Donc voilà, je remonte le sticker, je remonte tout ça un petit peu comment ça se présente, et là j'ouvre tout. Alors on a un slipmate, on a un slipmate. Joli slipmate. Voilà, après, bon, je mets un petit peu le doigt parce qu'on sait jamais. Voilà, si on est censuré, c'est pas du tout une série érotique. Hein. Voilà, alors on va passer au livret. Il y a un superbe livret, Liner Notes by Drew Newman. Voilà. À l'intérieur, on a donc on a le storyboard à l'intérieur aussi. Storyboard, je vous rappelle, ce sont les dessins qui reproduisent chaque scène du futur dessin animé. Voilà, pour un petit peu suivre. D'ailleurs, ma fille fait des études là-dedans, hein, fait des études là-dedans pour faire des BD par la suite, illustration graphique BD. Donc ce sera du 2D, elle ne fait pas du 3D, elle n'aime pas trop, donc ce sera du 2D et de spécialiser, donc en 2D, tout ça, elle est capable de vous dessiner ce genre de choses, enfin, c'est incroyable, tout ça. Il y a vraiment un très 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 beau travail. Alors c'est une box que j'ai eue à moins 40% avec des frais port réduits. Et les droits de douane réduits parce qu'ils déclarent vraiment très peu Waxwork. Et donc, s'il n'y avait pas eu ces 40%, je n'aurais pas prise. Alors, la BO est plutôt dans le style des jeux vidéo Nintendo de l'époque, mais pas que. C'est quand même plus fin. Mais c'est dans le style un petit peu musique très électronique, très synthétique. Mais qui se prête bien à cette série. Donc, que certains connaissent certainement, et qui était quand même très, très à la pointe à l'époque du début des années 90. On est dans du 2D, évidemment, puisqu'à l'époque, voilà, même pas 2D, c'était même des dessins, je pense. Après, ça a peut-être été numérisé, mais voilà, c'était des dessins, vous voyez, qui ont été animés. Donc, c'était pas du 2D sur tablette, mais c'était du 2D quand même. Voilà. Très très voilà. Alors elle est plus l'actrice, enfin le personnage est plus sulfureuse ou sulfureux que dans le film, hein. Voilà. Alors maintenant on va passer au on va vous les présenter dans l'ordre. Disc One, voilà tout ça. Alors, je vais remettre dans l'ordre en fait.
j'aime bien démarrer. Alors, vous avez donc tous ces disques. Alors le premier, alors, le coffret, je vais l'enlever pour faire de la place. On a le temps, hein, 10 minutes. Alors, voici le premier disque. Et je vous passerai d'ailleurs un extrait de Rooms of Blood, ici. Et très, très, très... Puis une très... Oh oui, c'est pas du GZ Media, c'est très cartonné, c'est très glacé, je pense. Ouais. Alors, c'était l'écueil short pour le film, j'ai vu qu'il s'en occupait. Donc là, elle est sortie en 2022, la box. Et pour le film, c'était l'écueil short, ici, l'écueil short qui avait produit la BO du film, mais qui n'est pas la même, donc voilà, c'est jamais sorti, hein, à part en CD. C'était sorti il y a quelques années en CD, cette BO. Voilà. Et avec un joli vinyle rouge, 180 grammes, rouge même moucheté. Je ne sais pas si vous le voyez, ouais, on voit à peine. Voilà, très 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 joli, vous voyez, très joli. Translucide, enfin de toute façon, presque à moitié prix, ça fait une centaine d'euros au lieu de 200, quoi, en gros. Bon, c'était dingue, quoi. 200 euros, j'aurais jamais acheté ça, mais là, j'ai sauté sur cette promo. Quand vous avez une promo à 40%, c'est pas intéressant d'acheter un disque à 25$ ou 30$, vous allez avoir quoi? Vous allez sur 30$, vous allez avoir quand même 40%, vous allez avoir, donc 3, ça fait 10, 3 fois 4, 12, vous allez avoir 12 euros de réduction, mais quand même les frais de port, les droits de douane, tout ça. Donc, c'est pas intéressant. Il faut vraiment acheter plusieurs disques. Mais bon, les disques à l'unité ne me plaisaient pas trop. Il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait. Soit je les avais ou soit je ne voulais pas les savoir. Donc, c'était pas ça. Il y avait que... Et je me suis dit, bah, tiens, il y a cette box qui met... voilà, dis donc. Alors, c'est très déshabillé, très, très sulfureux, hein, très, très sensuel. Voilà, très sud-coréen, très asiatique. Avec alors les macarons aussi sont jolis. J'espère que je vous ai montré de près ceux du premier. Voilà, les macarons sont très jolis. Là aussi c'est translucide aussi, c'est un genre de fluo translucide, un petit peu, ouais, c'est rose, oui. Donc, très 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 joli. Alors la BO aussi est pas mal du tout. Voilà, donc je vous remonte, c'est très 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 joli. Et là, je ne sais pas si je vous avais montré le macaron. Alors, on continue. Voilà. Magnifique. J'espère pas être censuré, hein, parce que on ne sait jamais. Voilà. Donc, ici, c'est du marbré. C'est un vinyle marbré. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on s'en rend compte ici. Il y a des marbrures. Ce ne sont pas des couleurs mates, hein, ce sont des couleurs travaillées. Puis alors, très lourd, on doit être même sur du 200. Ça dépasse le 180, là, je suis sûr. Maintenant, je commence à avoir l'habitude, depuis que j'ai pesé mes disques, un petit peu des poids. Donc, voilà, 3, bon, on est contre 3. C'est vraiment une œuvre d'art. Et je ne pense pas qu'à partir du moment où ce sera sold out, je ne pense pas qu'il les réédite. Ah oh, oui, celui-ci est magnifique, c'est vraiment de la vraie feuille d'or. Ouais, magnifique ceci. Et pas que, il y a quelque chose en plus. Je sais pas comment vous dire, il y a des genres de bulles à l'intérieur. Voilà, c'est très 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 beau. Très 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 belle box. Et puis alors, aucune pochette éclatée en transport parce qu'il pourrait y avoir des chocs. Mais non, là ça a été très bien emballé. Je suis bien content. Prend toujours des risques. Bon, après il vous renvoie. Voir que s'il y a quelque chose, la moindre chose. Il vous renvoie tout ce qu'il faut, donc la pochette à l'unité, voilà, il vous renvoie, il suffit d'envoyer des photos. Là c'est un bleu pareil, marbré, avec des éclats blancs, je sais pas si on les voit. Voilà. C'est assez subtil, hein, c'est superficiel. Voilà. Il y a un genre de splatter bleu foncé à l'intérieur. C'est difficile de... Puis qui varie d'une édition à l'autre, hein, bien sûr. Voilà, donc, et le dernier, évidemment, il en faut un. Tac.
Alors, il n'y a pas de sous-pochette quand même, hein, vu tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas rajouté à chaque fois une sous-pochette illustrée. Ah oui, un joli turquoise là. Très, très, très beau. Alors, je n'ai pas encore écouté la qualité du pressage. J'ai écouté la bande son, mais ben, là aussi, il y a des éclats un petit peu noirs, un petit peu blancs. Pas si. Oh, c'est dommage que j'arrive pas à vous le. Ah, c'est trop fin. Peut-être ici. On va voir. Voilà, vous voyez, devinez peut-être des. Voilà. Donc, très bel objet d'art, très belle œuvre d'art. Voilà, et toute une chose, toute une époque. Et je vous conseille ce DVD. Moi, j'avais bien aimé. Parce qu'il y a des animations 3D dedans, évidemment. Mais pas que à l'époque, c'était pas du 100%, ça qui est bien encore. On était dans les bonnes périodes. Voilà. Alors, bah écoutez, donc il y aura. Alors n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, etc., à partager la vidéo. Il est inutile de le dire, mais il y aura donc trois, voire quatre vidéos qui vont suivre. D'abord une vidéo sur des represses, voilà. De vinyle, vous avez l'habitude un petit peu, notamment des années 80, mais des éditions donc neuves, récentes. Il y aura une bande originale, enfin oui, il y aura une vidéo sur des bandes originales de films, voilà, de chez Waxwork et Mondo principalement. Il y aura peut-être du Disney mélangé, etc. Il y aura aussi des nouveautés pop-rock électro, troisième vidéo, et une quatrième sur des coffrets de compilation. De disques jockey, de remixeurs, etc. de chez Rootrade, je pense. Oui, c'est ça, Rootrade Records. Voilà, venant d'Angleterre. Donc là, il y en a pas mal et il y a pas mal de pépites dedans. Donc il y aura quatre vidéos. Bon, pour le moment, c'est un petit peu en chantier. Je vais mettre celle-ci en ligne assez rapidement. Ben, vous avez déjà dans l'avant-garde donc de certaines nouveautés. Nouveautés, bon, qui peuvent dater d'un an, hein. Ce sont mes nouveautés à moi. Voilà, donc salut, à bientôt et bon visionnage. Salut.